De substances qui changent l'état d'esprit, qui changent notre conscience. Mais avant tout, Strategy, c'est remettre en question tous les codes sociaux qui sont imposés de manière agressive ou pas, de comprendre qu'est-ce que, où on est dans cette vie-là, sans avoir les filtres supplémentaires, les couches qui cachent la réalité objective, qui couvrent nos yeux. Et aussi, je voudrais remercier la base qui sont là, la base antifasciste Strategy, parce qu'en fait, c'est pas que l'alcool, les drogues, etc. qui affectent notre esprit, mais aussi c'est les préjugés, c'est les explications tramées par la société, par les médias, et du coup, c'est eux qui amènent nous deux fois vers les idées nationalistes ou patriotes et toute cette merde là. Voilà, je tiens je passe le micro à JB qui va présenter. Ouais, alors bonsoir à tous et à toutes. Juste la base, en fait, c'est vraiment un projet politique pour sortir les idées du stratège de uniquement la scène hardcore et pour étendre ça à peu près toute la société. Pour expliquer ça avec des notions politiques, des notions anticapitalistes, des notions antisexistes, antifascistes, aussi pour concurrencer les fascistes qui veulent s'approprier le stratège et qui est intolérable. Et voilà, on essaie de promouvoir ça et on commence. Et bah, merci de nous accueillir. Et merci pour merci beaucoup. La prochaine chanson s'appelle Push Up. Ne cherche pas d'excuses, fais ce que tu peux maintenant. Trouve les moyens pour le faire au lieu de chercher les explications, les dérogations, les excuses pour tomber en frustration. Push up, c'est parti! Thank you.
Donc, gros merci à tous les poteaux de Lyon que je pensais vraiment pas voir. Mais alors sincèrement, JB, Flavie, Kiki, Ashley, il y a Quentin et Flo de Self-Esteem. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Merci d'être venu, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup à Flo, toute l'équipe de Résilience, à Suffocate et à Babysac pour le matos. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Le lieu est super cool, donc franchement, kiff. Prochain titre, c'est un titre qui m'a sorti sur une promo. C'est dispo en cassette, tout est prix libre. Vous pouvez le choper donc en cassette. Autrement, c'est sur Bandcamp. C'est un titre que j'écris pour une personne que j'aime. Et ça parle en fait que cette personne, je lui trouve, je lui vois un beau potentiel, de la vraie beauté en elle. Et je trouve ça dommage que cette beauté soit mal exploitée ou ne soit pas exploitée à cause des mauvais choix qu'elle peut faire, des fréquentations, de ce qu'elle peut consommer, sans vouloir faire du prosélytisme par rapport au straight edge. Ça, c'était mon choix, c'est mon choix personnel, ça ne concerne que moi. Mais je trouve ça juste dommageable de voir les personnes qu'on aime être tirées vers le bas pour les mauvais choix qu'elles font. Faites le bon choix pour vous, pas pour les autres. Faites-le pour vous et celui qui vous fait grimper par le prochain titre, ça s'appelle The Choice. You better run, you better run, you better run.
confidence. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas la... si on n'a pas la confiance à notre camarade, à notre proche? Quand on s'engage sur quelque chose, quand on n'est pas responsable du mot, quand on ne tient pas notre mot, qu'est-ce qu'on a promis, et ça déchire tout l'espoir qu'on peut faire quelque chose de manière autogérée, qu'on peut faire quelque chose comment. Du coup, quand vous promettez quelque chose, je sais pas, je suis désolé, je suis sur fond là, des fois j'ai des problèmes. Quand tenez votre promesse simplement, soit quoi qu'il arrive dans la vie personnelle, professionnelle, dans l'activité militante, c'est très important, parce que sinon, après de chaque fois, quand les mots n'étaient pas tenus, quand on a la déception que c'était pas réalisé, la personne a promis ce qu'elle n'a pas pu finalement la faire, ça c'est une grande déception, surtout pour l'esprit des autres, quoi. Voilà, et c'est pas juste, je vous parle pas comme si moi j'ai pas ce problème là, mais surtout à moi que je m'adresse. Voilà, et juste quand on fait des réflexions de temps en temps, est-ce que les choses sur quoi on s'engage, est-ce qu'on s'investit à fond, et est-ce qu'on donne pas aux autres les espoirs, et construit pas les châteaux en ciel qui n'ont pas de fondation. Voilà, qui est tout confidence. Yeah.
chanson s'appelle Compromise. Très souvent dans la vie, on est parfois soumis de passer pour à chercher un compromis en fait. Qu'est-ce qui correspond à notre âme, à notre valeur et les choses qu'on doit faire dans le quotidien. Bah, simplement, voilà, on a pris tout à l'heure les bagnoles, là. On a cherché le pétrole, on a passé le péage, toute cette merde là. Voilà, et moi j'ai le drapeau d'un arc-communiste là sur mon t-shirt. Est-ce que ça rentre pas en conflit hein, quelque part? Voilà, c'est à chaque entre nous, la question s'est posée. À quel moment est-ce qu'on fait dans le quotidien, ça correspond toujours à notre idée, à notre rêve. Voilà, compromise. Merci beaucoup.